Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo simplement qui va être grave utile pour la plupart des gens. Custom made par exemple sur Gozor Vert. Gozor Vert, on va voir ça ensemble. Voilà, custom made, custom adéquate. Bah, en fait, ils vous disent même sur le jeu, vous n'avez pas besoin de regarder sur n'importe quel site, sur Facebook, ce que tu veux demander. Parce qu'en fait, tu as déjà tout là. Ce que j'ai déjà montré dans une vidéo. Mais pour le meilleur, par exemple pour Gozor Vert, c'est HPDF. Voilà. Et en deuxième possibilité, vous pouvez également mettre attaque et def. Bon, le top du top, c'est HP def, hein, on est d'accord. Ça, par exemple, c'est pour tous les gozers. En globalité. Après, pour être sûr, hein, tu vérifies. Hein. Par exemple, attendez. Si le jeu veut bien. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Parce que c'est vrai que je ne sais pas. Up. Où est-ce qu'il est? Par exemple, gozer vert, celui-là. Bah, tu vas dessus et tu regardes ce qu'ils te disent. Par exemple, là, c'est attaque def et tu peux jouer HP def. Voilà, pardon. Hop. Ça, pour tous les gozers, c'est simple. C'est HP def ou attaque def. Voilà, c'est un des deux. Vous pouvez pas vous tromper. Et pour cette vidéo, on va faire également les Miodas. Voilà, on va faire les Miodas, tous les Miodas à peu près. Parce que je pense que ça peut être grave utile aussi. Sur le Méodas traite, alors ce qu'il faut jouer, c'est simplement du attaque dégâts critiques. Voilà, je pense que c'est connu quand même. Et au cas où, pour voir qu'est-ce que ça dit, vous pouvez aller dessus. D'ailleurs, ils ont enfin ajouté les 7. Ça joue attaque dégâts critiques, voilà. Et vous pouvez attaque def aussi, ça se joue. C'est une bonne possibilité. Et ils te disent aussi les teams à faire pour le piaf, pour l'étage 1 avec Matrona. Incroyable. Donc, voilà pour le Miodas Threat. On va faire les autres Miodas, comme ça vous allez voir. Hein. Lost Vein. Pareil, dégâts critiques logiquement. Pour le Miodas, Lost Vein, le mieux, c'est le contraire, c'est dégâts critiques. Donc voilà. Mais vous pouvez jouer Attaque Death. C'est pareil. Mais le mieux, c'est Attaque Dégâts critiques. Voilà. Vous avez la possibilité sur quel Miodas? Vous avez celui-là. Celui-là. Alors lui, mais jouer attaque def, attaque dégâts critiques, mais le mieux, c'est jouer perforation sur lui. Donc c'est le plus conseillé. Donc perforation, j'ai pas les stats dessus, mais faut jouer perforation. Donc vous pouvez très bien vous faire un stuff attaque def ou attaque dégâts critiques et jouer perforation dessus. Voilà, ça peut marcher très, très bien aussi. Alors, les autres milieux. Milieu. On a celui-là également, possibilité. Celui-là, je vous avoue que je connais pas forcément trop, mais c'est la même chose. Soit attaque dégâts critiques ou attaque def, c'est la même chose. La plupart des milieux, c'est la même chose. Hein. Après, c'est attaque def ou attaque dégâts critiques, ça dépend. C'est comme vous voulez. Comme là, celui-là, bah, c'est comme tu veux. C'est soit attaque def, c'est plus conseillé, ou attaque dégâts critiques. Mais c'est pas top top quoi. Le mieux c'est jouer attaque def sur le Miodas. Miodas celui-là. On a le Miodas R Counter, le seul base. Celui-là, bah, le mieux du mieux. Dans la logique des choses, c'est HP def. Voilà. C'est le top du top, c'est Gotcher. Sinon, tu peux jouer attaque def également parce qu'il fait mal, tout ça, voilà. Tu peux, c'est une possibilité. Voilà, et après, bah, pareil pour le petit Gozer SR, petit Miodas SR, attaque def ou attaque dégâts critiques, pas la même chose. Voilà. Après, vu que c'est un peu le même système que le Gozer vert, à peu près, tu peux te permettre de jouer attaque def, HP def, voilà. Tu peux te permettre. Voilà, et le Miodas. Attendez, où est-ce qu'il est? J'ai bien fait tout le Miodas, il reste celui-là, là. Celui-là, logiquement, c'est pareil. Vous pouvez le jouer en attaque def ou attaque dégâts critiques. Voilà. Donc, ça, c'est aussi top. Mais cassez-vous, s'il vous plaît. Attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres milieux, mais je crois pas. S'il y a celui-là. C'est lesquels, ceux-là? Ragnarok, non? Je sais plus. Après, ah non, c'est Halloween, ok. Donc, les autres milieux, de toute façon, c'est la même chose. C'est soit attaque def. Attaque dégâts critiques ou HP def, c'est un des deux. Mais pour être sûr, allez vérifier dans le petit livre que je vous ai montré juste avant. Et comme ça, vous êtes sûr. Comme ça, vous verrez, ça sera marqué un des deux. Voilà.
Lost Vein. Bon, voilà pour Gozer Vert, enfin pour les Gozer et Meodas. Maintenant, pour vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire une autre pour cette première partie, on va faire tous les tous les Marlin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, tous les Marlin aussi. Allez, c'est parti. Alors, pareil de livre. Alors, le mieux, ça serait attaque dégâts critiques. C'est vrai que sur Marlin, attaque dégâts critiques, ça pourrait être vraiment insane. Insane de chez Insane. C'est vrai que je pense qu'il faudrait que j'en fasse une aussi sur elle. Mais sinon, vous pouvez jouer attaque def, voilà le plus basique. Voilà. Mais c'est vrai qu'attaque dégâts critiques, ça peut faire largement le taf. Ça peut être incroyable. Alors, Marlin, vous avez la Marlin Sorcière Suprême. Elle, c'est avec du basique. Hein. Attaque def ou possibilité de HP def. Voilà. C'est vrai qu'HP def, vu qu'elle a plus un petit peu de support. Mais elle fait mal, donc c'est un T2. Vous pouvez faire comme vous voulez, dans tous les cas. Où est-ce qu'elle est? Marlin, bah elle. Elle était incroyable à l'époque. Elle, vous pouvez. La même chose en fait. C'est attaque def ou HP def. Vu que vous pouvez la servir comme. De beaucoup de tanks. Parce que c'est vrai que c'est un peu comme un support en soi. Hein. Alors. Cassez-vous s'il vous plaît. Pareil pour le Marlin bleu. Voilà, suprême. C'est la même chose. De toute façon, c'est exactement la même chose logiquement. Voilà. Attaque def ou HP def. C'est la même chose. Après, il y en a plus, c'est puisqu'on conseillait de jouer peut-être HP def, etc. Mais après, c'est comme vous voulez, vous. De toute façon, les deux sont potables. Donc en soi, c'est à toi de voir si tu veux jouer attaque def ou HP def. Pour ta team, si tu veux plus de tank, etc. Ça dépend. Je crois que j'ai. Après, j'ai pas les autres marines, malheureusement. Ah, voilà. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. De toute façon, pour être sûr, pour regarder dans le livre, vous verrez, c'est marqué attaque def ou machin. Et c'est un des deux, vous choisissez. Voilà. J'ai pas le reste, mais vous pouvez voir. Donc voilà. Voilà pour cette première partie sur Marlin, Gozer et Mulodas. Je pense que c'est plutôt propre. Maintenant, vous saurez quel stuff mettre sur eux. Il n'y aura plus de problème de quel stuff il faut mettre, etc. Je vous ai tout dit dans cette vidéo-là. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, deux commentaires. Rejoins le serveur Discord et postulez pour la petite guilde, ça fait toujours plaisir. Je recherche du monde, vu que pour l'instant il n'y a que 3. Donc voilà, s'il y a des gens actifs qui veulent faire. C'est pas, il n'y a pas d'obligation pour l'instant. Mais si vous voulez rejoindre, si vous n'avez pas de guilde, ben voilà, n'hésitez pas à venir. Sur ce, ciao bye Simer, c'était Monsieur Phoenix.